Essentiel. En un mot, quand on a opté pour la fidélité, il y a forcément un jour de la vie où c'est crucifiant. Aujourd'hui, c'est crucifiant parce que c'est un glaive qui nous perce le cœur, un glaive qui a rappelé nos héros, nos disparus, qui ont quitté la vie terrestre pour rejoindre la patrie céleste. Fidélité, c'est parce que vous êtes là, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, mon honneur s'appelle fidélité. Donc aujourd'hui, grâce à vous, nous allons pouvoir dire ensemble Robert Brasillach, Maurice Bardèche, présent. Je laisse la parole à Yvan. Oui, avant de rendre hommage à Maurice Bardèche aussi, je vais laisser la parole à notre ami Rouanet qui va rendre hommage à Robert Brasillach. La tombe se trouve ici pour ceux qui viennent pour la première fois. C'est donc devant la tombe de Robert Brasillach que nous allons lui rendre hommage. J'évoquerai en premier temps son parcours. Il est né à Perpignan en 1909 et c'est à partir de ses 18 ans qu'il s'installe sur Paris. Il y restera en tant qu'étudiant. Et comme nombre d'étudiants de l'époque, il était maurassien. C'était d'ailleurs au nom des idées maurassiennes, il affirmait lui-même qu'à partir de la fin des années 30, il s'est affirmé fasciste. Et c'est lors de ses voyages en Europe, donc en Italie ou en Allemagne, que lors de son retour, ça a été déterminant pour lui de vouloir importer cette doctrine en France. Et c'est d'ailleurs ça qui va marquer une rupture d'ailleurs avec le vieux maître. C'est comme ça que l'on appelait Charles Maurras à l'époque, puisque étant anti-germanique, il n'a pas pu supporter cette idée fasciste d'entente, notamment franco-allemande. Il sera, Brasillach, envoyé au front en 1940, donc contre les Allemands, et finira en captivité, bon, pour des raisons de défaite, jusqu'en 1941. Je rappellerai cette information parce que ça semble important. Maurice Bardèche, dans ses écrits, a signalé que Robert Brasillach avait une fiancée. Je dis ça parce que nombre d'autres intellectuels ont voulu salir son image en disant qu'il était homosexuel. Céline en fait partie. Je ne sais plus qui d'autre exactement, mais vous voyez, comme quoi il faut faire attention, ne pas se tromper. Bien sûr, Brasillach est connu pour être un écrivain et un journaliste qui a contribué essentiellement à Je suis partout. Des écrits donc fascistes, bien sûr, qui relataient l'actualité de la Troisième République en critiquant, très anticommuniste, anti-judaïque aussi. Et il sera exécuté à la dite libération, épuration. Je dis la dite parce que ce n'est pas une libération. Vous savez, épuration, ça veut dire rendre pur. Or, ceux qui ont été exterminés, c'était les purs par les pourris. Donc, dans ce cas-là, bon, les termes sont impropres, disons. Mais je reviendrai sur sa mort. Pour connaître un peu son parcours, il y a différents livres. Je citerai le Romantisme fasciste, qui traite de 6 écrivains français s'affirmant plus ou moins de cet idéal, dont Brasillach, bien évidemment. D'abord, ses idées. Il a affirmé, par rapport au 6 février 34, justement, que nous commémorons aussi à l'occasion, que ce fut l'aube du fascisme en France. Reprenant d'ailleurs par là les journaux allemands qui écrivaient « L'aube du fascisme se lève sur la France à l'occasion de cette manifestation » où finalement des nationalistes, des nationaux et des monarchistes ont constitué un regroupement d'énergie, un front patriotique.
Je crois qu'il y a des cas qui font exception, quelques délégations communistes étaient présentes. Vous avez aussi bien sûr des Français qui défilaient à titre individuel puisqu'il s'agissait de contester, de manifester contre les affaires, les escroqueries de la Troisième République, dont l'affaire Stavisky est un élément déclencheur. Et la foule ayant été détournée vers le palais Bourbon, enfin la République estimant que la foule était trop proche, a fait tirer sur la foule. Ça fait une vingtaine de morts et plus d'un millier de blessés. Si en Espagne, c'est la guerre civile d'Espagne qui en 1930 crée cette ligne de démarcation finalement entre d'un côté les fascistes et les antifascistes, eh bien en France, cela s'affirme finalement avec le 6 février 1934. Où finalement il y a le camp des fachos entre guillemets, où tout le monde est mélangé. L'Espagne, ça a été phalangiste, carliste, franquiste, etc. Tout dans le même camp. Et de l'autre côté, les antifachos, donc républicains, communistes, les rouges en général. Brasillach ajoute « Notre fascisme, ce n'est pas l'Italie », ou encore « Nous voulons construire le fascisme français ». Il rappelle par là les particularités nationales. S'il y a eu les faisceaux italiens qui ont fait ce qu'ils ont fait, ou l'Allemagne nationale-socialiste par exemple, le phalangisme que j'ai cité, on peut dire que c'est l'expression du fascisme en Espagne, eh bien il y a aussi un fascisme français, qui a d'ailleurs été porté en étendard par le francisme, dont Pierre Sidos est un héritier de par la branche jeune, puisqu'il était très jeune à cette époque. Le fascisme, pour le définir rapidement, c'est un socialisme débarrassé de l'élément démocratique, qui consolide l'État et la religion. Le chef et le peuple, des conceptions hiérarchiques, enracinées, ce genre de choses, et réaffirmant essentiellement l'esprit romain, l'esprit latin, le chemin qui mène à Rome. Ce combat bien évidemment contre le règne du gros argent d'une part et contre les rouges en priorité, parce que le contexte de l'époque était ainsi. C'est l'exaltation de la jeunesse, l'hymne de l'Italie du temps de Mussolini, il faut le savoir, c'était Giovinezza, c'est-à-dire la jeunesse. L'exaltation donc du sport, du chant, de la cohésion de groupe, toutes ces choses-là. C'est l'idée de défendre son peuple que l'on aime malgré tout, malgré ses défauts, malgré qu'il y ait parfois des Français nous crachent à la gueule alors que nous pensons uniquement les défendre. Mais c'est comme ça, nous aimons notre peuple, nous combattons pour lui. Nous ne lui faisons pas confiance en politique, bien évidemment. La politique est réservée essentiellement à une élite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en parler en famille non plus. Mais voilà, la volonté populaire n'est pas bonne, contrairement à ce que pourrait déblatérer Rousseau, par exemple. C'est le refus d'un monde matérialiste, d'un monde athéisé que nous subissons, de ce monde médiocre, finalement, imposé par cette démocratie. Un combat contre soi-même aussi, c'est vouloir la victoire, penser à la victoire. Une victoire dure et méritée, bien sûr, pas une victoire facile. Et de même que Mussolini a été influencé par une quantité de penseurs différents, il citait Sorel, Bakounine, Barrès, Maurras, il y a de nombreux penseurs français d'ailleurs, Corradini, écrivain nationaliste italien, qui a eu un poste d'ailleurs dans son régime. Eh bien l'esprit fasciste se retrouve dans différentes phrases, dans différentes citations. On pourrait citer Saint-Exupéry qui dit « Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur ». Et c'est un peu comme quand Brasillach rappelle ces cathédrales de lumière, vous voyez. Il y a dans cette optique un livre que j'ai découvert récemment, Le Château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, qui est un ouvrage mystique bien évidemment, et qui parle de l'âme humaine comme un château intérieur où l'âme passe différentes étapes successives pour atteindre la perfection. Et si le fascisme français a une histoire, eh bien nous voulons qu'il ait un avenir. Et à travers de ces délégations à l'étranger, de ces camps d'été, fêtes traditionnelles, le militantisme, notre doctrine, qui ont su être conservées par les nationalistes qui nous ont précédés, il y a longtemps comme ce plus récemment, grâce à eux, nous pourrons dire, nous, jeunes militants nationalistes, puisque j'en fais partie, que nous pourrons affirmer, comme Robert Brasillach, qui disait qu'il ne pourrait jamais oublier le fascisme universel de sa jeunesse. Et tout cela en travaillant pour la victoire, bien évidemment, malgré l'activité du système qui ne dépend pas de nous, puisque nous n'avons pas actuellement le pouvoir. Et pour montrer que le système est antifasciste, je ne citerai que Jacques Mitterrand, c'est l'ancien grand maître du Grand Orient. Il affirmait en 1973 en Réunion,
Il n'y a pas d'interdit dans la maçonnerie, sauf pour les corruptions de pensée, telles le fascisme, c'est la première chose qu'il cite, et l'antisémitisme, les dogmes et les religions, parce que ces dernières soumettent les hommes, que la maçonnerie libère, blablabla, blablabla. Mais les fascistes, malgré la présence du système, peuvent affirmer que nous résistons, nous ne faisons aucun compromis, nous nous tenons debout au milieu des ruines, pour citer le chef de l'Aube Dorée qui est encore en prison actuellement, qui se nomme Nikos Mikaloliakos. J'espère que je le prononce bien. Pour votre info, sachez que M. Pierre Sidos, dont on a récemment fêté l'anniversaire lors de notre galette des rois, une semaine après, puisque nous avons pu dialoguer, il s'est retourné vers moi comme ça, il a dit, j'en suis certain, à vous dire, c'est votre génération qui déploiera les drapeaux de la victoire. Donc quelle belle déclaration que je retiendrai. Puisque nous le ferons, ce déploiement de nos drapeaux, pour nous, pour nos familles, notre peuple, pour la France, et tous ces nationalistes qui nous ont précédés, qui ont mené le combat, dont Robert Braziac fait pleinement partie. Et donc pour terminer, je reviendrai sur la mort de Braziac, ou après le processus de son incarcération. Il faut savoir que la République est allée arrêter ses propres parents, et donc il s'est fait constituer prisonnier pour pouvoir obtenir ne serait-ce que la libération de sa mère. Il sera transféré ensuite à la prison de Fresnes, c'est là qu'il rédigera les magnifiques poèmes de Fresnes. Car Robert Braziac est un grand poète, ça s'affirme d'autant plus chez lui, mais dans de nombreux nationalistes, on peut repérer un vernis, une épaisseur poétique, que ce soit José Antonio Primo de Rivera, Cornelio Codreanu, Maurice Barrès aussi d'ailleurs, Léon de Grelle et bien d'autres. En état d'incarcération, il rédigera d'ailleurs sur les échecs du fascisme, c'est un peu comme Maurice Bardèche, son beau-frère, dans son livre « Qu'est-ce que le fascisme ?» Oui, qu'est-ce que le fascisme ? Et en état d'incarcération, il a constitué aussi une œuvre importante au-delà de ses écrits en prison. Lettre à un soldat de la classe 60, le journal d'un homme occupé, Notre avant-guerre sont des ouvrages clés. Et il y a aussi de grands ouvrages qui ont été rédigés sur lui. Donc Braziac sera condamné à mort lors de son procès, et c'est De Gaulle qui choisit de conserver la peine. Alors la réalité, les sources qui se rapprochent le plus de la réalité, De Gaulle a sans doute fait ça par concession aux communistes, puisque à l'époque il représentait tout de même un tiers du pouvoir, et donc il était obligé il composait avec eux, il avait choisi de composer avec eux. Et faire fusiller finalement un anticommuniste virulent, c'était leur faire un gros clin d'œil, disons. Et malgré d'ailleurs cette pétition qui a été signée par de nombreux artistes, de nombreux écrivains français, qui étaient souvent de l'autre bord d'ailleurs, mais qui défendaient un écrivain malgré tout. Et le jour de l'exécution, qui est raconté par le maître Jacques Izorni, qui le défendra, c'est lui qui le défendra lors de son procès, après être resté seul avec son aumônier, le maître Jacques Izorni l'a vu en train de prendre ses photographies personnelles de sa mère, ses frères, pour les mettre contre son cœur. Après, on lui a enlevé les chaînes, mené à la prison du Fort de Montrouge. Et il ira d'ailleurs, c'est toujours l'avocat qui le raconte, calme et serein vers le poteau. Une fois lié, il sera toujours très droit, la tête levée, très fier. C'est d'ailleurs l'attitude d'un fasciste qu'il conservera jusqu'au bout. Et au moment du tir du peloton de soldats, il criera « Courage, vive la France !» avant de mourir sous les balles. Il a été fusillé donc le 6 février 1945 au fort de Montrouge, soit 11 ans après, il est mort 11 ans après le 6 février 1934, jour pour jour. Et petit élément, le maître Jacques Izorni sera le même qui défendra le maréchal Pétain à son procès après coup. Donc pour cette fin d'allocution, je citerai un des poèmes de Fresnes qui est dédié justement à ce 6 février 34, qui se nomme « Aux morts de février ». Les derniers coups de feu continuent de briller, dans le jour indistinct où sont tombés les nôtres, sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres ? Je pense à vous ce soir, aux morts de février.
Je vous remercie. Bravo. Avant toute chose, je voudrais rendre hommage à Hélène Grimaldi et au cercle franco-hispanique qui avait été fondé et qui a été fondé et animé avec beaucoup d'énergie et de fidélité par Olivier Grimaldi, dont nous devons saluer la mémoire aujourd'hui et qui nous a quittés trop tôt, qui est allé rejoindre tous ses maîtres, tous ces héros du combat nationaliste, de la grande Europe, qui est formée de l'ensemble de ces héros qui se sont sacrifiés dans cette geste, dans cet idéal commun. Là où il est, il doit être bien, mais il faut leur rendre hommage parce que c'est eux, du cercle franco-hispanique, qui ont repris ce pèlerinage, ce souvenir annuel au cimetière de Charonne, sur la tombe de Robert Brasillach d'abord, et ensuite sur les tombes de Robert Brasillach et de Maurice Bardèche à partir de 1998, quand Maurice a rejoint Robert, uni à la mort comme uni à la vie. Ces jeunes nations, juste après-guerre, qui avaient lancé cette commémoration à Robert Brasillach, cet écrivain promis un grand avenir, cet écrivain parmi les plus talentueux de sa génération et qui a été fauché par une répression terrible, dure, qu'on a faussement appelé l'épuration, comme tu l'as dit. Ensuite, après la guerre d'Algérie, cette commémoration était tombée dans l'oubli, et c'est grâce à nos amis du cercle franco-hispanique que nous nous retrouvons chaque année sur ces tombes, et c'est important de le dire et de le répéter. Je vais vous demander de vous déplacer sur la tombe de Maurice Bardèche. Ami, si on peut aller sur la tombe de Maurice Bardèche, qui se trouve juste à côté. Comme je vous l'ai dit, Maurice Bardèche et Robert Brasillach, à partir du moment où ils se sont rencontrés en Hippocagne au lycée Louis le Grand, ont été des amis inséparables, et à tel point inséparables qu'ils se sont liés familialement, puisque Maurice Bardèche a épousé la sœur Suzanne de Robert Brasillach. C'était des écrivains brillants, des intellectuels brillants. Maurice Bardèche a écrit de nombreux ouvrages de littérature sur Balzac, sur Stendhal, entre autres. Il, avant-guerre, avait écrit un livre avec Robert Brasillach sur la guerre d'Espagne, cette Espagne qu'ils aimaient tant, cette Espagne de José Antonio Primo de Rivera et de la Falange, dont ils avaient un profond respect et une grande admiration. Maurice Bardèche, pendant la guerre, ne s'est pas engagé. Il s'est contenté d'écrire quelques articles sur l'art dans Je suis partout, la revue qu'animait Rebatté et Robert Brasillach, entre autres. C'est après la guerre, après cette profonde blessure qu'a été l'exécution de son ami et parent Robert Brasillach, que Maurice Bardèche est rentré dans l'arène. C'est le premier révisionniste. Maurice Bardèche a été le premier à contester ce grand mensonge de la Seconde Guerre mondiale et du prétendu holocauste et de l'extermination des juifs dans les chambres à gaz homicides, à travers un livre qui est remarquable, qui est encore d'actualité, profondément visionnaire,
qui s'appelle Nuremberg ou la Terre promise. Maurice Bardèche a bien senti qu'avec le procès de Nuremberg, cette logique, cette loi des vainqueurs qui n'avait aucune légitimité si ce n'est celle de s'appuyer sur la force, eh bien, allait conduire à la perte de la France et à la perte des nations européennes. C'est le premier avant Racinier à avoir, même dans les textes, contesté ce grand mensonge de la Seconde Guerre mondiale qui fonde la légalité aujourd'hui du système ONI que nous combattons. Après lui, il y a eu Racinier qui, avec Maurice Bardèche, sont les fondateurs de cette école révisionniste dont l'élément le plus brillant est et reste, et nous lui rendons hommage pour son courage, pour sa détermination, pour le fait qu'il soit debout encore malgré les coups, le professeur Robert Forisson, à qui il faut rendre hommage pour son courage, son énergie, son travail, son sérieux dans la démystification de ce mensonge d'après-guerre. Maurice Bardèche est l'auteur de nombreux ouvrages que je vous encourage à lire. Tout est bon dans Maurice Bardèche. C'est un style clair, c'est un style simple, précis. Et il faut lire des livres comme « Qu'est-ce que le fascisme ?» où Maurice Bardèche, dès la première ligne, s'affirme comme un écrivain fasciste. Parce que ces hommes, dans la modestie, affirmaient une volonté, affirmaient une croyance, une volonté de ce qu'ils étaient et après eux, de ce que nous sommes. Je suis un écrivain fasciste. Ce sont les mots qui ouvrent le livre « Qu'est-ce que le fascisme ?». Alors, vous avez de nombreux ouvrages. Mais il est un ouvrage remarquable que je vous encourage à lire. C'est « Sparte ou les sudistes », qui est un livre qui exprime bien ce que nous sommes. L'idéal qui nous transcende, qui est bien loin du monde matériel d'aujourd'hui, où la seule loi du profit maximum, la seule loi de l'argent, du mensonge, de l'hypocrisie domine. Nous sommes loin de tout ça. Nous portons haut les principes fondateurs des sociétés européennes, des nations européennes, qu'elles soient celles de l'héroïsme, qu'elles soient celles des vertus de la force, que ce soit celles de l'honneur. Et ce n'est pas pour rien qu'une des devises qu'Hélène a reprise ce matin, une des devises du fascisme, du nationalisme que nous portons, c'est notre honneur s'appelle fidélité. Et le 6 février, pour ça, est une date importante. À l'heure où une aube dorée née en Europe, une aube dorée naissante que nous sommes allés rencontrer la semaine dernière sur cette terre de civilisation qui porte l'Acropole, l'Acropole et le Parthénon. Eh bien, pour nous, le 6 février, c'est le solstice de la nation. Le solstice de la nation, parce que c'est le jour où nous nous retrouvons autour d'un feu symbolique, qui est le feu du souvenir, le feu de la vie, parce que la flamme transcende le temps. Elle unit ceux qui nous ont précédés à ceux qui sont aujourd'hui et qui perpétuent cet idéal. Le solstice de la nation, c'est cela le 6 février, c'est pour cela que nous nous retrouvons, pour honorer tous nos morts qui ont fait le nationalisme. Alors il y a Robert Brasillach, fauché trop tôt. Il faut lire encore un instant de bonheur. Robert Brasillach, c'était la force. La spécificité, la particularité de ces hommes de cette époque,
Je peux le dire parce que j'ai eu l'honneur de connaître Maurice Bardèche. C'est une modestie. J'ai deux souvenirs de Maurice Bardèche. Le premier, c'est au siège de l'œuvre française. Pierre Sidos venait d'être condamné lourdement pour justement avoir contesté ce mensonge de la Seconde Guerre mondiale. Ce monsieur est arrivé, a poussé la porte, a posé son chapeau sur le grand comptoir. Il a sorti quelques billets pour soutenir Pierre Sidos. Nous avons échangé quelques mots et puis il est reparti comme il était venu, en remettant son chapeau sur la tête et en prenant le métro. C'était des hommes d'une simplicité et pourtant on sentait bien que rien ne pouvait les détourner du chemin qu'ils s'étaient fixé. Et je prenais cette image tout à l'heure, un peu du cheval de trait qui tire la charrue, qui ouvre les sillons, qui recevront les semences, qui seront les grandes récoltes, qui permettront les grandes récoltes de demain. Tous ces hommes, ceux du 6 février 34, Robert Brasillach, Maurice Bardèche, tous ceux qui ont subi les foudres d'une répression terrible, judéo-bolcheviques, gaullistes. Et cette période dite de l'épuration a duré jusqu'à très tard, après les années 50. Ils se sont acharnés sur les meilleurs d'entre nous. Ils se sont acharnés sur ceux qui portaient la France. Dans leur cœur, dans leur tripe, ils se sont acharnés. Le deuxième souvenir que j'ai de Maurice Bardèche, c'est une réunion du 6 février justement, pour rendre hommage aussi aux morts du 6 février 34 et de Robert Brasillach. Après avoir pris la parole, il était à côté de moi et j'avais un livre de Robert Brasillach que je vous recommande à la lecture. C'est Notre avant-guerre, parce qu'on y comprend bien l'esprit qui régnait chez ces hommes qui voulaient construire l'Europe de demain, ou les guerres civiles, parce que c'est une génération qui a été marquée par la Première Guerre mondiale. Et ces millions de jeunes de toutes les nations en Europe ont été fauchés, ont souffert parmi la boue, les rats, la mitraille, l'acier des obus qui tranchaient les corps. Marqué par cette génération, voulait construire un avenir de paix et de force en Europe. Et je lui ai demandé de dédicacer le livre de Robert Brasillach, Notre avant-guerre. Et là, vous voyez toujours cette modestie que j'ai trouvée aussi, que j'ai retrouvée chez Henri Coston, qui était de cette même veine, de cette même acier de force, tranquille, sans exagération, sans postures inutiles, sans hypocrisie, sans mensonge. Et Maurice Bardèche m'a dit, mais je ne peux pas signer, dédicacer un livre qui n'est pas à moi. Et je lui ai dit, mais aujourd'hui, vous incarnez Robert Brasillach. Vous continuez l'œuvre de Robert Brasillach. Vous êtes le souffle de vie de Robert Brasillach. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez signer le livre? Et bien évidemment, il a été heureux de le faire. Voilà ce qu'était cette génération d'hommes que le système aujourd'hui couvre de crachats, dont le système insulte la mémoire quotidienne. C'était des hommes honnêtes. C'était des hommes grands. C'était des hommes simples, modestes. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, malgré le temps qui passe, eh bien nous sommes autour de ces tombes à nous retrouver, à nous unir, comme autour d'un feu qui réchauffe. Solstice de la nation, le 6 février, oui. Vous savez, c'est
comme un arbre. Et si nous sommes, nous, dans le monde de ceux qui vivent et de ceux qui se battent, les branches de cet arbre, eh bien les racines profondes qui nourrissent ce combat, qui nourrissent notre combat, elles sont là, ces racines, en terre de France. Elles se nourrissent de cette histoire, de cette civilisation, de ces millénaires, de ce millénaire qui ont fait la France, de ces millénaires qui ont fait cette civilisation commune de l'Europe. Oui, ici sont les racines profondes qui nourrissent notre combat. C'est pour ça que chaque année, nous sommes fiers de nous retrouver autour de ces tombes qui ne sont pas un symbole de mort, mais qui sont un symbole de vie, comme l'arbre qui grimpe dans le ciel. Nous avons parlé de la mort, parce qu'effectivement nous sommes là pour honorer la mort, et surtout la mort de nos héros qui ont su l'accepter, ne pas se résigner. Car la résignation n'est pas une vertu chrétienne. Faire face à la mort, ce n'est pas la subir, c'est en faire un acte personnel et un acte d'homme chrétien. C'est pourquoi, comme le disait Yvan, bien qu'ils ne soient pas visibles, ils sont présents. Je sais vraiment de quoi je parle. Nos morts sont présents. Dans un hommage qu'il rendait à Robert Brasillach, François Brignaud disait « J'ai honte, je n'ai que des mots à lui offrir. » Mais aujourd'hui, nous avons des mots pour entendre, pour apprendre, des mots pour dire qu'on aime. Mais les plus beaux mots, ce sont quand même ceux de la prière. Parce que là, on est sûr de ne pas se tromper. C'est pourquoi je vous propose de réciter un autre Père et trois « Je vous salue Marie ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est dans le cœur des vivants que vivent les morts. Nous allons procéder maintenant à l'appel des morts. Vous savez que nous récusons les minutes de silence qui sont d'origine maçonnique. Et pour honorer nos morts, nous procédons à l'appel des morts. À nos morts du 6 février 1934. Hofscheider. Présent. Costa. Présent. Coudreau. Présent. Étévenot. Présent. Fabre. Présent. Garniel. Présent. Gourland. Présent. Javet. Présent. Labouché. Présent. Lalande. Présent. Lamère. Présent. Lecomte. Présent. Liévin. Présent. Méziane. Présent. Maupin. Présent. Munier. Présent. Denoblins. Présent. Peuzier. Présent. Rossignol. Présent. Roubaudy. Présent. Soukari. Présent. Vory. Présent. Tombé place de la Concorde pour que la France vive dans l'honneur et la propreté. Le 6 février 1945, Robert Brasillach. Présent. Présent. Poète fusillé au Fort Montrouge pour le combat de la France aux Français. Et Maurice Bardèche. Présent. Présent. Nous allons terminer par un chant. Un chant pour célébrer nos morts, la cavalcade. Ami Rouanet, si tu veux bien lancer le chant. Ajoutons la fusillade, galopant à la guerre.
azur le pourpre s'alliant, avec croix et cercle d'argent. Le soleil est notre emblème, vers l'avenir, fidèle au passé, l'œuvre des Français doit se continuer. Vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès, dans la paix, l'amitié, venue de tous les horizons, la patrie est notre raison, dans la paix et l'amitié, vers l'avenir, fidèle au passé, l'œuvre des Français doit se continuer, vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès.